Je l'ai raconté à personne, ça fait des années. Et vous êtes les premiers à qui je raconte cette histoire. Là, comme vous avez vu dans le titre, vous vous dites, putain, mais Sisma, on le connaît pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est quoi ce titre? Waouh, what the fuck le titre? Calmez-vous les amis, l'histoire, je vais vous la raconter tout de suite. À l'ancienne, je faisais du sport les gars. J'étais mes beaux gosses. Et en gros, tous les matins les amis, je prenais le métro pour aller à la salle de sport. Un jour, je prends le métro. Il était vide, mais il était vraiment vraiment vide les amis, il y avait personne, ok? Donc là, vous dites, pour le moment, il n'y a rien de spécial. Ah, attendez, j'arrive. L'histoire, elle est vraiment, vraiment, waouh. En gros, les amis, j'arrive, je m'assois dans un coin tout seul. Quelques stations passent, je suis toujours tout seul dans le métro, genre 5h du matin, 6h. Et là, il y a une fille qui rentre dans le métro. Elle s'assoit en face de moi. Vraiment comme ça. Et en étant en face de moi, elle me regarde. Elle me lâche des beaux regards, des trucs, waouh, je suis là. Moi, je regarde, tu vois, dans ma tête, ça chauffe, quoi, dans ma tête, quoi. Et là, dans ma tête, ça chauffe. Moi, je suis là, je dis, je lui parle pas. Bon, on s'échange le regard, les sourires comme ça. Moi, je suis là, je fais timide, tu vois. Et faire timide, pour moi, c'était faire le beau gosse, laisse tomber. Donc, je faisais vraiment timide, j'étais comme ça. Donc, cette fille, elle était vraiment belle. Genre, la fille que... Elle est meilleure que la fille que t'es en train d'imaginer maintenant dans ta tête. Elle est encore meilleure qu'elle, tu vois. Genre le niveau de la fille, comme elle est belle, quoi. C'est quelqu'un de magnifique. Avec un corps, je vous raconte pas les... Vous voyez ce que je veux dire? Donc la fille était devant moi. Et moi, je suis là. Je suis en train d'imaginer des trucs dans ma tête. Mais genre, je vais loin. Moi, laisse tomber. Quand j'imagine des trucs, je vais loin. Surtout qu'il y avait que moi et elle dans le métro. On était là, on se regardait. Elle me sourit. En plus, c'est elle qui a commencé à sourire. Elle sourit. Je souris. Tu vois? On était là, tranquille, tu vois. Et en gros, les amis, vous voulez savoir la suite? Bah, attendez, abonnez-vous déjà, et je vous dis la suite. Allez, je vous attends. C'est bon, c'est fait? On continue? Allez-y. J'étais là, et dans ma tête, j'étais comme ça, les amis. Je faisais des calculs mathématiques. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais faire? J'étais là, je me suis dit, si je dis ça, si je dis si, ça va marcher, ça va marcher. Imaginez mon recal, elle rigole sur moi, tout ça. En fait, si vous voulez, j'étais le genre de mec, les amis, qui réfléchissait trop, mais qui faisait rien à la fin. Imaginons, il y a une fille qui me plaît, ok? Imaginons, les amis, il y a une fille qui me plaît. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir, je dis ça, je fais ça, je vais aller, je vais planifier tout ça. Et à la fin, je vais rien faire, les amis. Je vais vraiment rien faire parce que je fais que planifier pour rien. Donc, je vais planifier, je vais calculer, je vais faire ci, je fais ça. Et à la fin, vraiment rien pour comme ça. Vraiment rien, je vais rien faire au final et c'est ça qui m'a empêché de rencontrer plein de filles à l'ancienne. Bon là maintenant je suis posé donc là c'est fini. En plus cette histoire les amis ça m'arrive à chaque fois que je rencontre une fille. Genre à chaque fois, avant hein, pas maintenant, à chaque fois que je rencontrais une fille. Donc je vais parler dans le passé histoire de ne pas avoir de problème, c'est mieux. Donc à chaque fois que je rencontrais une fille à l'ancienne, j'étais là je réfléchissais. Laisse tomber André que je vais faire un truc de fou. Mais bon, et au final je fais rien. C'est tout ça pour rien, toujours. Et cette fille, les amis, elle était tellement fraîche, tellement stylée, que moi, je me voyais l'avenir avec elle. Je me voyais faire des trucs comme ça, je me voyais sortir, me balader, etc. Je la voyais, oh, je dis, c'est bon, c'est la femme de ma vie, c'était trop. J'étais là, j'étais amoureux, mais moi, je suis quelqu'un qui est amoureux du premier regard. Avant. Ah, before. Mais folle, c'est avant, c'est ça? Faut que je vois sur Google. Et j'étais là, les stations passent, ils passent. Et j'étais là, elle me kiffe pas. J'étais perdu. Je vous rappelle, les amis, que tout ça, c'était que dans ma tête. Là, il s'est rien passé. Pas encore. Parce que moi, je suis quelqu'un qui imagine beaucoup, tu vois. Donc, je me suis dit, waouh, si elle me parle, on se rencontre, tout ça, on fait connaissance. Mais dans ma tête, c'était, waouh, si ça marche, ça serait. Ouais, ça serait comme ça, ouais. Et à la fin, les amis, j'arrive à ma station. Et là, je dois descendre. Donc là, j'ai le seum. Je dis, je vais les descendre. Je lui ai même pas parlé. Tout ça, moi, je suis comme ça. J'ai le seum. Avant, je dis, putain, c'est smart, t'es con, tu lui as pas parlé. Je regrette toujours après, moi, c'est trop.
Et je fais toujours ça. Moi, c'était toute ma vie, j'ai toujours regretté après ça. C'est un mauvais truc. Je sais pas si vous, ça vous arrive. Dites-moi en commentaire si vous avez des histoires comme ça. Enfin, pas des histoires comme celle-là, mais genre si vous regrettez toujours, vous pensez trop et vous faites rien au final. Et en gros, les amis, à la fin, je dois descendre. Et là, je lui dis au revoir. Oui, au revoir. Tu vois, même pas de numéro, rien. J'étais archi timide. Je lui dis au revoir. Et elle me dit quoi? Au revoir. Avec une voix comme ça, les amis, je vous promets. Oh, mon cœur, tu vois, mon petit cœur là, tout doux. Il a arrêté de battre. J'ai rien contre les gens comme ça. J'ai vraiment rien. Chacun fait sa vie. Liberté pour tous. Tu vois, tout ce que tu veux. J'ai rien contre ces gens-là. Mais tu vois, quand t'es jeune, j'avais quel âge? J'avais genre 17 ans. Tu vois, quand t'es jeune, tu connais pas trop encore les trucs. Tu connais? Et ça te choque. 2, 1, action! Venga, piquito. Oh! Que viva Panamá! Venga, Cádiz, venga, 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 para presentarlo, que no lo veo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre? Jorge Freixo. ¿Cuál es su nombre? Carlos José. Je l'ai raconté à personne, ça fait des années. Et vous êtes les premiers avec qui je raconte cette histoire. Bon, c'était pas la folie, c'est rien passé, mais c'était fou quand même. Et vous, les amis, s'il y a un truc qui vous arrive comme ça, qu'est-ce que vous faites? Dites-le-moi en commentaire, est-ce que vous continuez ou vous arrêtez? Dites-moi en commentaire, les amis, je vous dis à très bientôt et ciao!